le film d'action The Passenger, une course contre la montre. Après avoir tourné Insta du survie, The Shallows, le réalisateur espagnol Jum Colesera est repassé derrière la caméra pour le film d'action The Passenger. Selon Relax News, la bande-annonce de ce thriller a été la plus consultée sur Internet en France avant sa sortie au cinéma. The Passenger, l'intrigue de ce film d'action. The Passenger, les spectateurs se retrouvent dans un train de banlieue en compagnie de Michael McCulley. Ce dernier reçoit l'appel d'un inconnu qui l'informe qu'il doit identifier un passager caché, et cela avant le dernier arrêt. Ce film d'action relate comment il devra résoudre cette énigme pour sauver sa vie ainsi que celle des autres occupants du train. Liam Neeson incarne le personnage principal de ce thriller. C'est l'acteur irlandais Liam Neeson qui joue le rôle de Michael McCulley dans ce film d'action. Les cinéphiles l'auront vu dans de longs métrages tels que The Revenger ou encore The Trainer. Dans The Passenger, la réalisation de Jum Colesera, il donne la réplique à Patrick Wilson, Vera Farmiga et Sam Neill entre autres. Quelques infos sur ce long métrage. The Passenger marque la quatrième collaboration de Liam Neeson avec le réalisateur Jum Colesera. Les deux hommes ont déjà tourné ensemble dans les productions Sans Identité, Non-Stop et Night Run. Il faut souligner que pour ce film d'action, le cinéaste a voulu dresser le portrait d'un combattant du quotidien, un père de famille auquel le public peut s'identifier. Une production déjà à l'affiche dans les salles. The Passenger est sorti au cinéma en France le 24 janvier 2018. Les spectateurs qui ne l'ont pas encore vu peuvent regarder la bande-annonce de ce film d'action pour en savoir plus sur cette énigme à résoudre.